In the beginning, there was me. There was me. In the beginning. La collection donc de l'été prochain, ça va être une collection toujours pour une Parisienne chic, toujours désinvolte, avec une petite pointe d'humour toujours, et avec un petit côté également ethnique dans tout ce qui est coiffure, maquillage, imprimé cachemire, et avec également un petit côté rock. Pour dynamiser un petit peu le tout. Et toujours des couleurs, toujours les passepoils fluo et toujours le rose fluo, avec un petit peu de vert cette saison. L'inspiration, c'est toujours, c'est tout au long de l'année, c'est une accumulation, soit dans des cahiers, toujours des petits croquis ou des petites choses comme ça dans la rue, ou les voyages, les livres. Donc c'est un petit peu tous les jours où j'accumule des idées et après elles ressortent un jour. Là, on a tout le défilé qui est, représenté. Chaque silhouette, chaque passage, et on travaille là-dessus. Donc, si on a besoin de changer quelque chose, on enlève le petit dessin, la petite robe, on recolle ailleurs, on fait les tenues et on bouge. C'est vraiment notre plan de travail, et voir qui va porter avec quels accessoires, et on note tout ici. Donc là, on a tout le travail en fait du passepoil de couleurs vives, surtout les passepoils fluo, donc avec un thème plutôt du soir, porté avec des mousselines de soie. Ici, tout ce qui est imprimé cachemire. Ici, on a aussi également des suites, mais transformées. Toujours l'idée de la maxi-robe, un peu rock, mais portée un petit peu sur les épaules. Il y a des choses comme ça aussi avec des coloris vifs, doublés de bicolores avec de la dentelle. Vibrations. Astrology and all those different things, you understand? But I call what it is what it is. What it is what it is. C'est des petits sacs chiens que j'ai déjà fait et qu'on refait différemment cette saison. On a aussi la petite pochette strass éclair pour un petit côté rock.
la poupée, bah, c'est une très très grande poupée en chiffon qui n'est pas encore terminée. Il faut qu'on lui rajoute les cheveux. Elle a des yeux et une bouche en strass. Également tous les accessoires ethniques, des colliers avec des grosses boules dorées. Elles sont faites avec plein de choses différentes, avec de la colle, avec du papier, avec plein de choses. C'est un petit secret. Entièrement fait ici, aussi bien les boules que tout ce qui est peinture, jusqu'au fin du début jusqu'à la fin.